Manipulation autour des incendies de forêt, Tebboune, s'il n'est pas criminel, est au moins irresponsable. Dans une violente tribune diffusée massivement sur les réseaux sociaux, l'intellectuelle algérienne Ali Benzaad, professeur des universités, à l'Institut français de géopolitique de l'université Paris 8, a épinglé le régime algérien et le président Abdelmajid Tebboune pour l'heure. Manipulations ordurières autour des drames suscités par les feux de forêt qui ont ravagé des régions entières au nord du pays, notamment en Kabylie. En remuant les braises de la haine, Teboun, s'il n'est pas criminel, est au moins irresponsable, a indiqué dans sa tribune Ali Banzarad qui est également maître de conférence à l'Institut de géographie de l'Université d'Aix-Marseille. Ni la population, ni le régime ne sont à l'origine de ces incendies mais le régime est coupable de propos incendiaires qui allaient fatalement rencontrer le bois mort des esprits asséchés par la haine et les enflammer indique à ce propos ali ben zahad dans sa tribune qui n'a pas manqué de susciter un véritable sur l'aveu bosphère algérienne tout pouvoir peut réprimer massivement le régime algérien l'a souvent fait en kabylie et ailleurs en algérie mais aucun pouvoir N'a la capacité de manipuler le réel aussi finement que le laisserait supposer un scénario aussi bien ficelé que celui qui aurait conduit depuis des incendies planifiés jusqu'à l'assassinat prémédité de Jamel Benzmaï. C'est encore plus en dessus des capacités du pouvoir algérien, médiocre et qui n'a toujours retrouvé ni, centralité ni stabilité, décrète encore celui qui est aussi chercheur à l'Institut de recherche et d'études du monde arabe musulman, ainsi qu'enseignant-chercheur à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative de l'Université Aix-Marseille et à l'École française de Rome. En se cherchant des coupables, le régime voulait d'abord faire oublier son incompétence. Tout en mettant en lumière cette incompétence, les jeunes des Orès qui, à défaut d'équipement, ont affronté les incendies à mains nue, la diaspora qui a pallié à la faillite sanitaire du pays, l'élan de solidarité nationale qui se levait autour de la Kabylie en flamme, ont constitué également des défis au régime qui ne les a pas vus d'un bon œil. C'est ainsi que, fait unique, l'ambassade d'Algérie en France a, multiplié les obstacles pour casser l'élan de solidarité au lieu de l'encourager analyse dans le même sillage Ali Benzaad qui a dénoncé vigoureusement l'incompétence avérée des autorités algériennes à gérer une catastrophe naturelle de l'ampleur des feux de forêt en Kabylie. Les incendies en Kabylie ont révélé encore plus cette incompétence. Il y a déjà 50 fois plus de morts en Algérie qu'en Grèce et 15 fois plus de morts qu'en Turquie alors que les incendies dans ces deux pays ont été autrement plus importants, près d'une centaine de morts contre 7 en Turquie et 2 en Grèce. C'est qu'une partie importante des morts étaient des militaires et des civils venus combattre le feu, victimes du dérisoire et de l'archaïsme des moyens dont ils disposaient et qui était une autre illustration de la faillite du riche pays pétrolier qu'est l'Algérie. Déplore à ce propos Ali Ben Zaad qui n'a pas hésité à décrypter les véritables dessous des théories complotistes qui ont été utilisées par le pouvoir algérien et Abdelmajid Tebboune pour masquer ses faiblesses et son incapacité à protéger la vie des populations touchées de plein fouet par les dramatiques feux de forêt. Les propos de Tebboune sont venus pour cacher cette lacune. Mais aussi pour stigmatiser une région qui reste une citadelle du Irak et qui bénéficie dorénavant, pour cela notamment. De la sympathie du reste du pays. Il n'a pas cru devoir formuler les mêmes accusations au plus fort des incendies des Aurès. Ses propos avaient pour but de jeter de l'huile sur le feu dans tous les sens du terme, accuse ainsi Ali, Benzad. Cet auteur de plusieurs ouvrages consacrés à plusieurs aspects des évolutions de l'Algérie et des pays du Maghreb à l'image de son livre paru en 2009 et intitulé « Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes », n'a pas hésité aussi à expliquer le meurtre barbare et abject de Djamel Benzmaï le 11 août dernier à larbana Tiraten par le délire complotiste et la propagande de « manipulation des masses orchestrées massivement par le régime algérien et ses divers appareils sécuritaires ou médiatiques ». Ce qui est arrivé à Djamel Benzmaï aurait pu arriver à toute autre personne dont la présence aurait pu susciter le moindre doute, ou sur laquelle on aurait insinué des doutes. Il aurait pu malheureusement se passer dans n'importe quelle région d'Algérie. Pour que cela arrive, il faut une trilogie d'ingrédients, la parole manipulatoire d'un leader, dans ce cataboum, une situation d'exaspération, ici, c'est les incendies mais il y a tellement de motifs à exaspération en Algérie. Et une culture de haine bien ancrée chez des éléments moteurs pour conduire le reste de la foule à commettre l'innommable comme le lynchage de Djamel Benzmaï, souligne enfin, Ali Benzahad qui accuse Abdelmajid Eboune d'avoir franchi toutes les lignes. Saïd Chanegria, un vaste complot presque parfait. Alors que le pays a été particulièrement éprouvé avec les derniers incendies meurtriers et le choc vécu par les Algériens après le crime barbare perpétré contre le jeune Djamel Benzmaïl, le général de corps d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est revenu à la charge pour parler d'un vaste complot presque parfait ourdi contre l'Algérie. En effet, dans un message adressé aux éléments de la NEP à l'occasion de la célébration du double anniversaire commémorant les offensives du Nord Constantinois et la tenue du Congrès de la Soumame, 20 août 1955-1956, le chef de l'armée algérienne a appelé à davantage de vigilance et de prudence pour contrecarrer tous les plans sordides qui se trament contre, notre pays, soulignant que les feux qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions du pays ne constituent qu'un petit échantillon de ce vaste complot presque parfait. Nous n'avons eu de cesse de mettre en garde contre ce complot et avions réalisé, très tôt, ses motivations et ses proportions, c'est pourquoi nous sommes déterminés à le déjouer, peu importe les efforts et les sacrifices. Avec le soutien de notre vaillant peuple qui s'est illustré par les plus belles images de solidarité et de fraternité durant cette tragédie et n'a pas cédé au discours empoisonné, a soutenu le chef d'état-major de la NP Saïd Chanegria. Ce dernier a encore mis en avant sa détermination immuable à poursuivre, sous la direction du Président de la République, chef suprême des forces armées ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Aboune, la marche du développement et de la modernisation de la NP et la promotion de ses capacités de défense pour mieux préserver la souveraineté, la fierté, la stabilité et le progrès de l'Algérie, en concrétisation des aspirations de notre peuple fidèle aux principes et aux valeurs de nos aïeux. Le général de corps d'armée a, en outre, adressé ses vœux les meilleurs à l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils assimilés relevant de la NP. À cette occasion, nous nous élevons tel un seul homme avec beaucoup de fierté pour honorer notre pays l'Algérie et exalter les hauts faits de ce mois béni qui illumine notre voie et font la fierté des générations montantes, a-t-il ajouté. Ces hommes qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté, qui ont fait montre lors de ces deux événements historiques décisifs d'un génie hors pair et d'une profonde conviction en la justesse de leur cause, déterminés qu'ils étaient à recouvrer la liberté et l'indépendance, au prix de lourds sacrifices, a-t-il ajouté. Saïd Chanegria a appelé à faire de ce double anniversaire une halte pour se, remémorer le fil des événements de la glorieuse guerre de libération, soulignant que nous sommes tous appelés à tirer les enseignements de l'héroïsme et des sacrifices consentis par nos aïeux de l'armée de libération nationale, qui doivent être exaltés pour servir d'exemple afin de poursuivre les efforts avec abnégation et dévouement dans la lutte contre le terrorisme jusqu'à son éradication définitive de cette terre bénie, notamment en faisant preuve de dévouement et de discipline dans l'accomplissement des missions assignées au service de notre institution et de notre cher pays. Le MAC, le Maroc et Israël, cette déclaration intervient au lendemain de la réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité convoqué par le président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale abdelmajid tebboune est consacré à l'évaluation de la situation générale dans le pays suite aux récents événements douloureux et aux actes hostiles incessants perpétrés par le maroc et son allié l'entité sioniste contre l'algérie selon un communiqué de la présidence de la république après présentation par les services de sécurité du bilan des pertes humaines et matériels engendrée par les feux qui ont ravagé certaines wilayas, notamment à Tizi Ouzou et Béjaïa, le Président Tebboune a donné des instructions à tous les secteurs pour le suivi de l'évaluation des pertes et la prise en charge des sinistrés du fait des incendies où l'implication des deux mouvements terroristes Makarachad a été établie, tout autant que leur implication, dans l'assassinat du défunt Jamel Ben Zmay. Le Haut Conseil de Sécurité a décidé, outre la prise en charge des blessés, d'intensifier les efforts des services de sécurité pour l'arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication totale. Notamment le MAC qui reçoit le soutien et l'aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc est l'entité sioniste. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification du contrôle sécuritaire aux frontières ouest. Près Il n'y a plus que les morts qui partent en Algérie. Le cri de colère des Algériens bloqués en France. Passeport algérien et avion d'Air Algérie. La réduction du nombre de vols au départ de la France vers l'Algérie empêche de nombreux Algériens de rentrer au pays. Air Algérie n'arrive plus à satisfaire l'énorme demande sur les billets d'avion. Bien que les frontières soient partiellement ouvertes depuis juin, les expatriés algériens désespèrent de trouver une place à destination d'Algérie. Il n'y a plus que les morts qui partent en Algérie, résume une algérienne établie à Nièvre, bloquée en France cet été en raison du manque de liaisons aériennes. Selon des témoignages rapportés par le journal du centre, les expatriés algériens en France. Se désolent de la rareté des vols pour rejoindre leur famille. Les réservations sur les quelques vols spéciaux d'Air Algérie relèvent d'une mission impossible. Le site de la compagnie est tout le temps saturé. Les internautes tombent souvent sur un message d'erreur au moment de commander un billet d'avion. Des vols extrêmement rares et extrêmement chers. Les îles à Sabri qui a recherché, sans trop y croire, un vol pour septembre A destination de Tlemcen, guette la moindre information sur l'ouverture d'un vol qui pourrait l'emmener en Algérie. Elle n'a d'autre solution que de rester face à son micro, ou connecté à son téléphone, à actualiser sans cesse les pages des compagnies aériennes et des comparateurs en ligne. Bien que l'espace aérien soit partiellement ouvert depuis juin, les vols à destination de l'Algérie se font, extrêmement rares et extrêmement chers. Certains ont déboursé jusqu'à 1300 euros avec Air France. Indique Lézila Sabri. Des dépouilles qui partent seules durant cette crise sanitaire, beaucoup d'expatriés algériens ont vu s'envoler les cercueils de proches décédés en France pour être inhumés dans leur pays d'origine. C'est le cas de Lila, âgée de 61 ans, qui a perdu son mari. Le corps de ce dernier est parti par avion vers Cherchel, à l'ouest d'Alger, où il est inhumé. Lila n'a pu accompagner son époux dans ce dernier voyage. C'est un véritable déchirement. Soupire-t-elle, avec déchirement. Pour Yasmina Boulouza, nièce de cœur de Lila, il est incompréhensible que les frontières soient ainsi verrouillées. Il ne s'agit pas de tourisme. Si pour la plupart, on a la double nationalité, c'est justement pour pouvoir partir en cas d'urgence, s'indigne.